Cette dernière heure de Maurice C'est la nuit a été commise le jeudi 6 juin 2024. Elle est peuplée de François, Catherine, Alphée, Benjamin et Kader. Il t'est proposé une excursion dans le monde scolaire avec ses curiosités, ses privilèges et parfois ses violences. En prime, tu entendras parler espagnol et ça, c'est bueno. Délicieuse écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes... Il n'y en a pas plein d'autres qui sont laissés à la traîne, quoi. Des rebelles, quoi. Non, non. Alors, pour le coup, alors effectivement, avant, les établissements font leur travail et proposent aux parents et aux élèves la possibilité de venir en classe prenante. Donc, voilà, il n'y a pas une sélection, il n'y a pas un tri, voilà. Après, effectivement, Maurice, je sais que je vais t'emmerder avec mes mots, tu vois, empathie et tout ce que tu veux, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on en manque un peu dans l'éducation nationale. Mais tu crois que dans la vie, il y a de l'empathie? Quand tu t'arrêtes pas au rouge, il y a de l'empathie? Il n'y a pas d'empathie. Si tu roules pas sur, si tu roules pas dans ton sens de circulation comme la dame qui a estropié des enfants et qui a tué un truc, il y a de l'empathie. Bien sûr, mais elle avait 85 ans, la pauvre vieille. Non, mais l'idée de faire croire aux enfants qu'ils vont être après accompagnés dans la vie, c'est leur mentir, puisqu'ils seront pas accompagnés du tout. On est chacun dans son slip et on fait en fonction de ce qui. Mais pourquoi on doit rester là-dessus en fait? C'est ça qui me gêne. Le système, dans la façon de. Le système. Non, mais pourquoi on? Le système est comme ça. Lorsqu'ils vont aller chercher un appartement, personne va les border. Lorsqu'ils vont se pointer à Paris pour visiter un appart, il y a 150 personnes. Écoute-moi. Ne parle pas en même temps que moi. Je suis en train de te dire quelque chose. Réagis à ce que je suis en train de te dire au lieu de me servir ton discours avec plein de mots que j'ai déjà entendus. Il y en a plein Internet. Ce que je te dis, c'est que lorsque cet enfant que vous avez bordé va chercher un appartement, il va se retrouver dans une file où il y a 30 ou 40 personnes qui veulent le même appartement et qui vont essayer de faire la roue pour que le propriétaire puisse leur louer. Qu'est-ce que vous allez leur raconter? Vous allez quoi les tenir quand ils vont aller dans les magasins? On va leur dire la boîte de sardines, c'est 2,15 €. Point. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout. T'as 2,15 €, tu pars avec ta boîte de sardines, tu les as pas, tu pars sans. Terminé, rideau. T'as pas d'argent pour mettre de l'essence, tu en mets pas. Quand t'arrives devant la pompe, si t'as pas une carte bleue pour mettre dans le truc, ça marche pas. C'est fini, tu t'en vas, tu pousses ta bagnole à pied et tu la dégages et le mec te dit, vous ne pouvez pas laisser votre voiture dans l'enceinte de la station, appeler un dépanneur. Il n'y a pas d'empathie dans le système. Notre système... Mais pourquoi on peut rester là-dessus, en fait? Mais parce que c'est comme ça que fonctionne le système. Le système fonctionne comme ça. Il y a des zones dans le monde dans lesquelles il y a le système de l'empathie. J'en ai croisé plein. Le système de l'empathie, c'est un bordel monstre où chacun fait son numéro pour essayer d'avoir un avantage. Ceux qui ont le meilleur numéro ont des avantages. Si, c'est ça la vraie vie, en fait. Ceux qui ont le bon numéro ont des avantages, ceux qui n'ont pas le bon numéro n'en ont pas. Terminé, ça s'arrête là. C'est un monde qui n'existe. C'est pas ce qui se passe en France aujourd'hui. Comment ça que c'est pas? Non, non, ici aujourd'hui en France c'est le bordel. On essaie de faire croire aux gens, on essaie de faire croire à certains élèves qu'ils peuvent ne pas venir à l'école, emmerder les autres, etc. Après il y a des gens comme toi qui les prennent en charge, ils sont 7 ou 8, on leur joue du violon, on leur dit ah c'est bien, les parents sont impliqués, je sais pas quoi, ce qui est un privilège parce que les autres élèves, tous les autres là, ceux qui sont pas en classe relais, eux ils ont pas d'empathie, il y a pas de rien du tout pour eux. Il y a de l'empathie pour ceux qui ont emmerdé les autres ou qui viennent pas à l'école, qui sont pris en charge par ton système. Mais pour les autres, non, mais pour les, tous les 32 autres ou les 36 autres ou les, je sais pas combien ils sont dans les classes aujourd'hui, pour tous les autres, il n'y a pas d'empathie. Les autres, quand ils sont en retard, on leur dit,
Non mais on ne sait pas. Il faudrait que et on va peut-être, je sais pas quoi, mais dans la réalité, c'est que même toi, tu participes à ce système de privilèges. Tu donnes un privilège à un enfant. De privilège. Ben oui, c'est un privilège. D'être huit dans une classe, c'est un privilège. Avec un adulte pour te donner des cours, pour te caresser dans le sens du poil, te donner des petits bonbons et te dire que je sais pas quoi, c'est privilégié. Les autres élèves ne sont pas dans ce privilège. Eux, ils sont obligés de se lever le matin. Tu préfères un monde où effectivement... Moi, je ne suis pas en train de parler de mes préférences, je suis en train de te parler de la réalité que tu ne saisis pas. La réalité, François, tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris la réalité, mais c'est que toi, le système qu'on a mis en place et dont tu fais partie, ce système-là est un système de privilège. C'est ça le privilège. Dire à un élève, le privilège c'est l'école Stanislas, c'est les écoles. Non, c'est pas ça le privilège, parce que l'école Stanislas, contrairement à ce que tu imagines, parce que tu n'y es jamais allé, c'est un endroit dans lequel c'est la guerre pour les élèves qui sont là. Il n'y a pas de privilège, il faut se battre comme des dingues pour essayer de sortir parce que la pression est extrêmement forte. C'est pas ça le privilège. L'élève privilégié, c'est celui qui est dans ton système à toi, qui ne glande rien, qui ne vient pas à l'école, je sais pas quoi, et auquel on dit, ne t'inquiète pas, mon petit chou, on va t'emmener dans une structure dans laquelle tu seras avec 8, et puis de temps en temps, tu auras juste le professeur pour toi tout seul, pour qu'on puisse t'aider à avancer, etc. C'est ça, le privilégier les gens, c'est Maurice, faire ça, en fait. Tu as été adolescent. Je pense que tu t'es construit aussi. Putain, laissons le temps aux gens de se construire. Et pas tout le temps. Tu vois bien que cette phrase est déconnectée de notre conversation, ce que tu es en train de nous dire. Donnons du maïs aux enfants. Ce que tu es en train de dire là maintenant, la construction d'adolescents, etc., c'est complètement déconnecté de notre conversation. On est en train de parler de privilèges. On est en train de parler de privilèges. Non, c'est toi qui as parlé de privilèges. Oui, donc c'est de ça. Oui, parce que toi, tu passes d'un truc à l'autre. Tu me parles de la construction des adolescents. Après, tu vas me parler de la construction des autoroutes, sans doute. Mais moi, j'essaie d'avoir une conversation. J'essaie d'avoir une conversation suivie avec toi, ce qui semble un peu compliqué. Donc, j'ai du mal à imaginer comment fonctionne votre système et comment vous arrivez à sortir les enfants de la galère. Parce que moi, je suis pas du tout dans la galère. Ma tête est claire. T'as déjà du mal à m'expliquer. Je te dis. Le fait de prendre un élève qui était dans un système dans lequel ils étaient 25 ou 30, le sortir et de l'emmener dans un endroit où il y a 8 élèves et où il y a un professeur qui va s'occuper juste de lui, c'est le privilégié. C'est ça, en fait. C'est le cours privé, en fait. Ça, c'est un cours privé. Mais n'importe quoi. On est dans un système public. C'est pas du tout... Je suis désolé, mais non. Non, mais tu plaisantes. Tu plaisantes, je pense, non? Moi, c'est ouais. Le dos. Non, mais là tu plaisantes, François, je pense. Non, mais là, François, tu prends les choses à l'envers. Je pense. Hein. Donner un cours, avoir un élève qui est avec uniquement un professeur, c'est le principe du cours privé. C'est ça, en fait. Alors, c'est avec nos impôts qu'on offre à des enfants des cours privés. Mais c'est le principe du cours privé, en fait. Parce que les autres élèves, tu parlais des élèves de Stanislas, les élèves de Stanislas, quand les mômes n'y arrivent pas, tu sais ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux. Ils jouent pas à la PlayStation. Quand ils rentrent chez eux, les parents leur payent un cours privé. Donc il y a un prof qui vient et qui, au lieu de s'amuser, au lieu de rigoler, de se détendre, ces élèves, ils sont enfermés avec un professeur qui les cravache pour qu'ils puissent être à niveau. C'est la même chose que ce que tu proposes, toi. Sauf que là, au lieu que ce soit les parents qui payent, là, c'est nous qui payons pour ces élèves dont tu parles. Il faut quand même les aider, Maurice. Je ne sais pas s'il faut les aider. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il faudrait aider ceux-là et pas les autres. Je comprends pas. On les aide. Moi, j'ai une gamine qui a 12 ans, qui est en 6e, qui a 18 de moyenne. Et je suis très content pour elle.
Tu vois ce que je veux dire, ça? Ça veut rien dire, ça. Sans dire. Je vois pas le rapport. Elle est dans le public, dans une banlieue parisienne. Il y a combien d'élèves dans cette classe? Mais je ne vois pas le rapport avec notre conversation. C'est très bien que tu aies une fille de 12 ans qui a 18 de moyenne, mais c'est très bien. J'espère que ça va durer. Mais ça veut rien dire, en plus, parce que tout dépend de l'établissement, tout dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est bien. Elle est dans un bahut, dans une banlieue. Bon, très bien, c'est très bien. Dans un collège public. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, mais c'est très bien. Je vois pas ce que tu veux nous raconter en faisant la comparaison entre le collège à Balakoff où est ta fille et Stanislas. Je vois pas où ça nous emmène. Moi, je suis intéressé par ce que tu fais, par la raison, par le résultat de ton travail, mais t'as du mal à m'expliquer. Et j'aimerais bien, moi, savoir. Mais justement, tu parles de résultat. Moi, je parle pas de résultat, en fait. Ben oui, mais pourtant, nous, on paye pour du résultat. Je parle d'aide. Et ouais. Quand tu aides quelqu'un, c'est, normalement, il y a un but. Quand on aide les gens, tu aides t'as la vieille dame qui habite dans ton immeuble à porter ses courses, ça a un but en fait. Tu le fais pas juste j'aide. Tu l'aides parce que elle aimerait bien avoir ses patates et ses carottes dans sa cuisine au 7e étage. Donc c'est pour ça que tu l'aides. Le but, ben c'est qu'elle réussisse en fait à avoir ses patates et ses carottes qu'elle a achetées au marché, qu'elle arrive à les avoir dans sa cuisine. C'est ça le but. Lorsqu'on envoie les enfants à l'école, le but, ben c'est qu'ils acquièrent du savoir, c'est ça en fait l'idée, c'est le principe. Et lorsque certains ne viennent pas à l'école ou je sais pas quoi, sont turbulents, ou je sais pas, les énergumènes que tu reçois, ces gens-là, on les sort du système, on utilise l'argent public. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas, mais on utilise de l'argent public pour les privilégier. Est-ce que c'est bien? Je vous laisse connaître un peu le détail, savoir un peu comment ça marche, mais t'as du mal à m'expliquer. Bon, t'as le droit de pas m'expliquer. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Ah, il faut ouvrir votre micro et parler maintenant. Pardon, Alfé, Santiago du Chili, au Chili, 47 ans. Alors Alfé, Santiago du Chili, non, je vais te parler là. Je vais te parler. Lorsque tu participes à l'émission, il faut absolument que tu entendes quand on te parle. Autrement, ça pourra pas marcher. Hier soir, tu étais en conversation avec quelqu'un d'autre. Vous étiez comme si vous étiez chez vous. Si vous devez faire ça, faites-le chez vous. Si vous venez ici, faites-le avec nous. À méditer. Je suis d'accord. Merci. Bon, François, je crois que tu vas pas nous expliquer. Puis-je ajouter quelque chose? J'ai ajouté un petit quelque chose, c'est que quand une autre personne est en train de crier, on n'entend pas forcément les autres personnes par Skype. Voilà. Très bien. François, je crois, tu vas pas arriver à nous expliquer, hein, si? Ben, posez-moi une question. Tu réponds pas aux questions, tu nous parles de ta fille qui est à Malakoff. Mais non, parce que... Oui. François. Allez-y. Oui. Si j'ai compris, toi tu penses et c'est ton travail, c'est de dire que si on peut en sauver entre guillemets quelques-uns, c'est ton job de le faire, les sauver pour les remettre dans la norme pour qu'ils puissent y arriver eux aussi. Absolument. Et que voilà. Bon, et donc ça c'est son truc. Moi j'avais essayé de sauver des enfants. Et oui, non, mais c'est bien, il est formidable. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il existe, François. J'essaie juste de comprendre ce que dit sa structure, parce que j'imagine que c'est pas lui personnellement, mais ce que dit sa structure à un élève qui ne vient pas à l'école pour qu'il vienne dans le nouveau bahut. Je voudrais savoir ce qu'on lui dit pour qu'il se dise, allez, ce matin, je me lève et j'y vais, quoi. Mais j'ai pas compris ce qu'on lui disait. En tout cas, si tu peux... Laisse-le répondre, Catherine. Laisse-le répondre. Pardon. Ben, en fait, non, mais c'est très simple. C'est qu'on essaie de mettre en place des cours un peu différents avec, effectivement, un accompagnement qui n'est pas forcément celui du collège. Mais d'accord. C'est pas du tout des cours privés. Non, mais d'accord. Enfin, 8 élèves et parfois un seul prof avec un élève, c'est le principe du cours privé. Mais bon, je t'expliquerai, je te ferai voir une vidéo peut-être pour que tu comprennes mieux. Mais ce n'est pas la réponse à ma question. Ma question, c'est
Que dites-vous à cet enfant qui ne vient pas à l'école pour prendre celui qui ne vient pas à l'école pour qu'un jour il vienne dans un autre établissement? Qu'est-ce qui fait qu'il vient? Mais non, il a le droit à tout, Maurice. C'est ce que dit François. Il a le droit à tout, en gros. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vient? Tu vois, François. Non, mais François, moi, quand j'arrivais à l'école en retard, j'étais collé. Tu vois, je pouvais pas assister en cours. J'avais mon carnet de correspondance, il fallait que je le montre à mes parents, etc. Et je me faisais engueuler. Voilà. C'est tout. Mais ça change pas. Le but, c'est que quand même les gamins assistent aux cours. Est-ce que t'as des gamins, toi, qui viennent dans ton établissement? Qui viennent, très, très sincèrement, hein, je ne te juge pas. Non, mais vas-y, François. Mais est-ce que les élèves qui ne se présentent pas à tes cours, tu les colles, tu leur dis, voilà, machin, faut plus que ça se reproduise, etc. Est-ce que tu leur dis? Je leur dis, mais le problème, c'est que vous avez la possibilité de le dire. Mais bien sûr qu'on a la possibilité. Le truc, c'est qu'ils viennent. Mais pourquoi ils viennent? C'est ça que je comprends pas. Non, mais s'ils viennent pas, c'est ma question. Mais ils viennent parce qu'effectivement, on a une autre façon de les accompagner. C'est juste ça. On n'est pas, dans un espèce de truc coercitif. Quand ils voudront prendre le train, vous allez les accompagner aussi, faire attendre le train, ou est-ce que vous allez leur dire le train il part à 13h47, il faut que vous vous démerdiez pour être au départ du train comme tous les autres voyageurs, ou est-ce que vous leur dites non, on va vous accompagner, on va faire je sais pas quoi pour que au truc pour les avions ça va être pareil, et puis quand les filles auront leurs règles c'est pareil, on va leur dire attends on va t'accompagner, tu les auras plus tard. Ouais, c'est sympa ça, c'est joli comme tout. Message de Sarah, elle a 52, elle est à Paris, elle dit ceci. Bonsoir Maurice. Les classes relais, Maurice, c'est l'école de la dernière chance. Les élèves ont obligation d'être inscrits à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui, ça je sais. Donc, il faut trouver un endroit où les scolariser malgré leur décrochage. C'est vrai qu'ils ont de la chance d'avoir cette dernière chance. On peut en trouver certains, ensuite, dans des établissements genre EREA, enseignement régional, enseignement adapté, où j'ai d'ailleurs enseigné. Je t'embrasse très dur, Sarah. Je veux bien ton témoignage, Sarah, quand tu dis très dur, ça veut dire quoi? Avec nous, par ici, Catherine, elle a 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. François, 48, il est à Paris. Toujours là. Benjamin, à 44, il est à Muguet. Oui. Alphée, à 47, il est à Santiago du Chili, au Chili. Je suis là. Bon, on va laisser François reposer un peu. On va écouter Benjamin à Muguet. Ah ben non, mais moi je voulais échanger avec François. Ah ben tu peux, c'est à toi la main, donc vas-y. Ah ouais. Si j'ai le droit. Vas-y. Non, mais François, c'est... Pardon? Non, vas-y, c'est à toi. Oui. Non, mais je disais après, enfin, ce que j'ai entendu de toi, François, t'es responsable de tes élèves, c'est vachement bien. Je sais que c'est très dur. Moi, dans mon entourage aussi, j'ai une personne qui travaille à Paris dans un collège, c'est pas même pas un collège, c'est une école primaire. Où elle a 30 gamins qui viennent de tout l'horizon et c'est extrêmement compliqué pour elle et elle a pas d'ASEM, enfin tu connais les ASEM, est-ce que tu as des ASEM, François? Non, parce que moi je suis en collège, donc les ASEM c'est en école maternelle. Excusez-moi de vous déranger, parce que ce sont des sigles. Qu'est-ce que c'est des ASEM? Les assistantes maternelles. Ah, pardon. D'accord. Qu'il y a dans des écoles. Oui, dans les écoles maternelles, ouais. Et ben. Pour aider les instituts. Et que ma sœur, en fait, parce que c'est ma sœur qui bosse là-dedans, elles sont jamais là.
Jamais. Bien sûr, ça fait 20 ans qu'elle bosse là-dedans. Elle n'est jamais aidée, quoi. Donc elle fait tout. Et elle a 35 élèves, je crois. Elle est en quelle classe? C'est des maternelles. C'est... Oui, c'est des maternelles, oui. C'est pas les termes, c'est des maternelles. Voilà. Et elle me dit, moi, je fais tout. Je fais tout. Je dois acheter les trucs, les machins. Elle n'est pas en fait dans une région où il se passe rien, où les écoles relais, etc. Elle doit s'occuper de tout le monde. Mais en fait, elle fait tout. Tout. C'est-à-dire, elle doit tout gérer pour 2000 balles par mois. Et elle fait le rôle des ASM qui sont toujours en arrêt maladie. Et elle m'en parle très souvent. Et je lui dis, mais comment tu fais ? Peut-être le problème de il y a trop d'enfants par place, peut-être. Elle a 30 ou 35 élèves. Mais c'est trop. Surtout voilà, ici, et oui. Donc tu gères des élèves et l'animation de l'école, plus les parents, plus les machins, et elle n'habite pas au Soudan, quoi. Oui. Donc après, quand j'écoute les écoles relais, ah, les pauvres, qu'est-ce qui s'est passé, ah, machin, on va les soutenir, etc. Mais ils viennent pas en classe, c'est compliqué. Enfin, voilà, quoi, c'est plus de la plainte qu'autre chose, quoi. Mais ma sœur se plaint pas. Elle se plaint pas, elle est en maternelle déjà. Comment ? C'est la maternelle. La maternelle, c'est l'éveil, c'est tout ça. C'est pas encore non, mais la lecture. Ce que me disait ma sœur. Et tout, mais ils sont trop nombreux à 35. Ce que me disait ma sœur, t'as beaucoup aussi de parents qui laissent leurs enfants, qui veulent pas s'en occuper. C'est ça son mais non mais c'est ça son discours mais, récurrent. Ouais, mais je vois moi je l'écoute. Avec le... Non mais attends, écoute-moi, Katoche. Il y a beaucoup de gens, c'est limite, elle m'a dit c'est limite s'ils connaissent leurs enfants. Moi c'est ce que me dit un membre de ma famille quoi, tu vois, qui fait ça depuis longtemps. Et dans Paris. Et elle me dit on n'a aucun moyen mais elle, il faut qu'elle ait une envie de faire les choses, de faire évoluer les enfants, etc. Elle n'est pas perdue, encore une fois, au Soudan, quoi. C'est ça qui est dingue. Et quand elle me raconte ça, je lui dis, mais pour toi, c'est une passion. C'est quand même dingo, quoi. Et c'est pour ça que quand j'entends François dire ça, genre, oui, bon, les enfants un peu en difficulté qui arrivent... Ouais, il faut les prendre en main. Oui, très bien, très bien. Mais t'en as tellement qui sont à l'aise dans leur famille. Bon, après ces profs-là, merci, au revoir, quoi. Moi je trouve. Enfin bref, je vais pas m'énerver, mais c'est. Et les écoles solidaires, trucs nuls. Non mais je suis. Absolument d'accord avec toi. C'est des payons, quoi, tu vois. Oui. Non, non, mais vas-y. Alors en plus, pour le coup, mais je vais te suivre. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. La situation des écoles maternelles avec des ASM qui sont pas là, ou même des profs qui sont pas là parfois, mais c'est hyper compliqué. Moi, ce que je veux dire, juste, c'est que nous, on les récupère après. Mais qui ne sont pas là, qui ne sont pratiquement jamais là. Mais voilà, jamais, oui, non. Jamais, nous, on les récupère après. C'est juste ça, en fait. Ouais, c'est-à-dire que nous, les classes relais, ça arrive au collège. Elle a 30 gamins. Elle a 30 gamins. Mais je sais bien. En plus, mais elle s'occupe des parents, quoi, tu vois. Qui se disent, bon, moi. J'aurais pas dû peut-être faire des enfants. Enfin, je te résume un peu le truc. À la benchie, quoi. Comprends. Mais c'est la réalité. C'est ça. Et après, tu me dis, oui, non, mais il faut sauver les gens. Faut faire attention, etc. Des gens qui ont eu des petits problèmes. Non mais vous parlez pas de la même classe. Chose, c'est-à-dire mais que j'ai envie de dire, ouvre une école de théâtre, quoi, tu vois. C'est non, non mais excuse-moi, François.
Non, mais alors, excuse-moi, mais... Si. Toi, tu es en train de dire, les parents ne peuvent pas faire d'enfants, à foutre 35 gamins dans une classe avec des ASM qui sont pas là. Lui, c'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est que il essaye de sauver des décrocheurs, des absentéistes, tout ça. Il essaie de faire son job. Et pourquoi son job, il existe? Décrocheurs de quoi? Parce que peut-être que... Décrocheurs de quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Écoute-moi, Katoche. Écoute-moi. Ouais. Moi, quand j'allais à l'école, je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai pas envie de m'énerver. Mais moi, jamais je ne suis arrivé en retard à l'école. Jamais. Ouais, en fait. Il y a une seule fois où j'ai fait un truc qui allait pas bien dans le style de l'école, et puis je me suis fait coller. Et puis voilà, et puis j'avais mon carnet correspondance, et puis il a fallu que je baisse la tête auprès de mes parents. Enfin voilà, c'est... On n'a plus cette possibilité maintenant, malheureusement. Malheureusement, il n'y a plus d'autorité, en fait. Elle n'existe plus, l'autorité. C'est ça le problème. Il n'y a plus l'autorité. Il n'y a plus le respect du prof, du maître d'école, de la maîtresse, du directeur. Je sais qu'on était en rang 2x2, qu'on filait droit. Et voilà. Et bon, moi, ça me dérangeait absolument pas, parce que j'adorais l'école. Mais il y avait des cancres aussi, et qui se prenaient des coups de brosse à tableau dans la gueule. Et ça, je trouvais ça pas bien du tout. Je te le dis, je suis un cancre. Mais moi, je respectais tous mes profs, mon histoire géo, machin, ma prof de français, et voilà. Et même si j'arrivais pas à le faire, à pas bien me présenter, je le faisais. Et si je ne le faisais pas, je me faisais pas fouetter. Mais c'est la réalité. Il y a quelqu'un d'autre. Je parle d'un temps. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui est là, je te prie. Entre Maurice Calder 48 à 3. Ouais, en fait, c'est juste que Benjamin n'a pas écouté la conversation précédente, donc il n'a pas compris. Mais non, tu n'as pas compris que François travaille dans une structure qui s'appelle les classes relais, où il reçoit exclusivement des enfants qui ont décroché. Qui sont des élèves violents ou des emmerdeurs pas tentés. Ouais, il va pas le dire non, comme oui. Ça. Ouais, enfin. Il dit oui. Ah, toi tu vas pas le dire comme ça, mais bon, pour que tout le monde comprenne de qui on parle. Mais quel raccourci. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout un raccourci. C'est une c'est un peu. Non, c'est pas un raccourci, sont les élèves dont tu t'occupes. Tiens, je t'ai trouvé on doit être beaucoup à faire des raccourcis. Et dans le journal La Croix, il y a la classe relais, remettre sur les rails les élèves exclus pour violence. Mais moi, c'est pas des élèves exclus forcément, Maurice. Pourquoi vous les sélectionnez? C'est vous qui les choisissez? Vous dites bonjour. Jérôme. Non. On va te mettre dans une classe relais. Je suis pas Didier Deschamps. Non, parce que Maurice dit que j'ai pas compris. C'est pas ça. C'est que moi j'ai été dans des écoles où il y avait des gens qui étaient virés. Parce qu'ils respectaient pas les codes. Mais comme tout le monde, on a tous été dans des écoles, Benjamin, où ceux qui étaient les emmerdeurs patentés, à un moment, ils devaient aller, où. Non, mais c'était pas uniquement des cancres. C'était des mecs qui foutaient le bordel. Et c'est, Des élèves qui bossaient, qui mettent le bordel, j'en ai pas croisé, moi, mais bon. En général, ceux qui mettent le bordel, c'était pas les premiers de la classe. Mais bon. Bon. Jamais été le premier de la classe. Jamais. T'es un branleur de mon toit, surtout. Ah là là, pas possible. Bon. On va écouter, Alfé à Santiago du Chili, au Chili. Bonsoir, Maurice. J'appelais pour parler avec François. Alors, Alicia était en train d'écouter l'émission avec moi. Et Alicia travaille comme professeur différentiel. C'est quoi ça? C'est pour rouler dans la boue, ça. Professeur différentiel, clac, on la crabote. Pour monter dans les côtes, dans les bois.
C'est pas pareil. Alors, c'est pas vous êtes relou, les alors, gars. Le professeur. Ben non, alors, ben non, Alicia veut parler. Donc, je te la passe. Mais c'est en fait. Hola, Maurice. Hola, Alicia. Comment estás? Muy bien. Me encanta tu español. Attention, parce que là, je vais décrocher, là. J'adore ton espagnol. Sí. Bueno, estaba escuchando. Ouais. Y el sistema que plantea de, se, de ir a esta institución unas semanas, eso es, se llama segregación y hace muchos años que ya no se utiliza en casi todo el mundo, porque estás apartando a los estudiantes de un contexto y en realidad es el contexto que se tiene que adaptar a ellos. Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout. Oui, c'est bon. Il faut pas que. Allez-y. Attendez, on va écouter la traduction de d'Alphée, si ça vous embête pas. Allez-y, Alphée. Alors, le système dont parle François, ça s'appelle de la ségrégation parce que tu extrais l'élève de son contexte socio-éducatif. De ses amis, de son collège, et tu le mets quelques semaines dans une classe spécialisée. Bon, elle a dit institution spécialisée, mais c'est une classe spécialisée. Et ça ne se pratique plus depuis beaucoup d'années dans les pays de l'OCDE. Ça a été interdit d'ailleurs. Enfin, entre guillemets, non recommandé, pas vraiment interdit. Tu sais, l'OCDE, c'est un peu comme l'OMS. Normalement, ça te donne des recommandations, mais ça t'interdit pas de faire des choses. C'est pas répressif. Ah bon? Normalement. Bah oui, l'OCDE, c'est à but informatif. Excuse-moi, elle a parlé d'une semaine ou de plusieurs semaines? Plusieurs semaines. D'accord. Ok. Varias semanas. Sí, en general el acompañamiento en Latinoamérica se hace dentro del establecimiento, inclusive dentro del aula de clases se trabaja con el estudiante, porque el contexto escolar generalmente es el que produce las dificultades. No es el niño, sino que es el contexto. Le contexte. D'accord, c'est pas l'élève qui crée la difficulté, mais c'est le système, ouais. Ouais. Okay. Es ouais. El sistema, exactamente. Si el sistema no se adecua a los niños, que en Francia tienen hartos problemas en esa área, obviamente los niños van a tener más y más dificultades para poder mantenerse en el sistema. Entonces, el sistema es el que tiene que modificarse, no el niño ir a otro lugar para poder entrar en este sistema educativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. yo soy completamente de acuerdo. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Nous sommes le 6 juin et nous fêtons les Norbert. 1606 à Paris, naissance de Pierre Corneille, dramaturge et poète français. J'avais part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur, je l'ai vu. J'ai vengé mon honneur et mon père. Je le ferais encore si j'avais à le faire. 1799, naissance d'Alexandre Pouchkine, poète, dramaturge et romancier russe. 1903, naissance d'Aram Khatchatourian. 1926, compositeur soviétique arménien. 1926, naissance de René Mella. La confiture s'adivouille, ça coule sur les mains. Chanteur français, membre des Compagnons de la Chanson. 1944, en France, 400 000 soldats alliés américains, britanniques et canadiens.
débarque sur les plages de Normandie. 1949, publication du roman de George Orwell. Vous êtes mentalement dérangé. Vous souffrez d'une mémoire nettement défectueuse. Vous ne vous en êtes jamais guéri, car vous n'avez pas choisi de le faire. 1984, 1956, naissance de Björn Borg. Joueur de tennis professionnel suédois. 6 juin 1960, naissance de Stevie Vai. Guitariste et chanteur de rock américain. 1973, Brigitte Bardot annonce qu'elle quitte le cinéma. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. 1991, décès de Stanley Gajewski, dit Stan Getz, saxophoniste américain. En 2000, décès de Frédéric Dard. J'ai toujours considéré que les humains avaient tort, c'est ce qui arrive à la plupart d'entre eux, de renoncer à l'amour, de se sortir, si vous voulez, de l'amour à un certain âge. Dieu sait, j'ai connu des gens qui ne le faisaient pas, j'ai connu des vieilles qui s'obstinaient, etc. Et je trouve que c'est ça, vivre, c'est ça, assumer sa fonction d'humain, voyez ? Écrivain français. San Antonio, c'est lui. En 2006, décès de Léon Roger Veil, 7e dernier poilu français. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Qui croit est heureux, qui doute est sage. Proverbe hongrois. Verseau, restez fidèle à vos engagements avant tout. Mercredi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Oui, je sais de quoi je parle, Alphée. C'est pour ça que je me permets de le dire. Les trois quarts du temps, oui. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça, tu as raison, Alphée. Donc maintenant, c'est ma main. Tu vas la fermer, Alphée. Tu vas la fermer parce que ça fait trois fois que tu dis. C'est ma main, Alphée. Moi, je ne sais pas couper. Non, c'est ma main, Alphée. Donc tu vas la fermer. Tu vas me laisser parler. Moi, je te laissais parler. D'accord. Mais c'est pas une question. Petit gars. Petit quoi? Petit quoi? Je n'ai pas peur de toi. Mais tu es tout petit. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. Voici les listes des prochaines élections des représentants au Parlement européen qui auront lieu le 9 juin 2024. Changer l'Europe, nouvelle donne. Candidat, Pierre Larouturou. Programme, réformes économiques et justice sociale. Nous le peuple, candidat, Georges Kuzmanovic. Programme, souveraineté populaire et justice sociale. Pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution, NPA, candidat Selma Labib, programme révolution socialiste et abolition des frontières. Pour Le Pen, la paix, la liberté, le parti des travailleurs, candidat Camille Adou, programme droit des travailleurs, lutte contre l'oppression. L'Europe ça suffit, les patriotes, candidat Florian Philippot, programme Frexit, protection des industries nationales. Non, prenons-nous en main, candidat Édouard Husson, programme autonomie nationale, réformes économiques. Forteresse Europe, liste d'unité nationaliste. Candidat Pierre-Marie Bonneau, programme nationalisme et protectionnisme. Réveiller l'Europe, place publique, parti socialiste. Candidat Raphaël Glucksmann, programme réindustrialisation de l'Europe et justice sociale. Non à l'Union européenne et à l'OTAN, communiste pour la paix et le progrès social. Candidat Charles Ouarot, programme souveraineté nationale, anti-OTAN. Alliance rurale, candidat Jean Lassalle, programme défense des territoires ruraux et développement local. France libre, candidat Francis Lalanne, programme liberté individuelle et souveraineté nationale. Europe territoire écologie, candidat Guillaume Lacroix, programme développement durable et régionalisme. La ruche citoyenne, candidat Loris Elmaillan, programme participation citoyenne et écologie sociale. Parti communiste français, candidat Léon Desfontaines, programme protégeons les travailleurs et baissons les factures. Droits du parent et de l'enfant, candidat Gaël Coste-Meunier, programme défendre les enfants et lutter contre l'aliénation des parents. Écologie au centre, candidat Jean-Marc Governatori, programme reconstruire l'Europe et garantir l'Europe sociale. Démocratie représentative, candidat Adama Traoré, programme contre le mal logement et contre l'oppression des minorités. Europe démocratie espéranto, candidat Laure Patas-Dillière, programme espéranto comme langue commune et démocratie européenne. Liberté démocratique française, candidat Patrice Grudet, programme renforcement de la démocratie directe et promotion des libertés individuelles. Allez dimanche, toi qui aimes bien faire comme Maurice, tu vas voter.
Ding dong. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Catherine à Arcachon. Oui, oui, oui. François, 48 à Paris. Oui, je suis là, moi. Benjamin, 44 à Muguet. Oui. Alphée, 47 à Santiago du Chili, au Chili, avec Alitia. Je suis là. Kader à 48 et il est à 3. Oui. Allez, on écoute encore un petit peu Alphée et ensuite on ira à 3. Allez-y, Alphée. Non, je crois que c'est tout. Elle a dit que ici au Chili, les enfants étaient accompagnés durant toute leur scolarité. Bon, la scolarité ici est obligatoire jusqu'à la terminale. Tout le monde passe par la terminale. Il n'y a pas de sortie en bout de course. Mais c'est quel âge, c'est quel âge la terminale? Heureusement. C'est 17 ans. 17 ans. Bon, c'est nous, c'est, enfin, nous, c'est 16 ans, hein, donc, bon. C'est 16 ans. C'est 16 ans chez nous, donc c'est pas bien loin. Ok, 16 ans. 16, 17 ans. Ça dépend si t'es né au début de l'année ou à la fin de l'année. Eh ouais. Ouais. Bon. Plus, ça va se compliquer, là. Il va falloir sortir la... Il va falloir sortir la calculette. Ouais. Non, en plus, nous, on n'a pas la même année que vous. C'est pas de septembre à juillet. C'est, enfin, à juin. C'est de mars à décembre. Eh oui. Très bien. Kader, à 3, c'est à toi la main. Ça, alors... Elle disait, oui. Elle disait, on accompagne donc les enfants au jour le jour, avec des psychologues dans l'école, avec des phonoaudiologues aussi, comment on dit, des gens qui s'occupent de comment tu parles, de la prononciation. Des orthophonistes. Orthophonistes. Tu as raison, c'est ça. Très bien. Merci Alphée. On va... Ouais, tu nous diras la suite après. On va écouter Kader à 3. Qu'est-ce que vous dites? Pour terminer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Alphée? Pardon. Pour terminer, donc, le système était tellement efficace qu'elle a envoyé plusieurs générations d'enfants qui étaient à difficulté dans de bonnes universités ici. L'université n'étant pas obligatoire. Mais l'éducation jusqu'à 16 ans-ci, 16-17 ans, enfin la terminale, quoi. Du coup, elle s'est rendue compte qu'arrivée dans l'université, il se passait ce qui se passait avant, c'est-à-dire que les enfants, les jeunes adultes, on va dire comme ça, ne sont plus accompagnés dans l'université. Du coup, les cours ne s'adaptent plus à leurs besoins spécifiques d'éducation et il y a un gros décrochage à ce niveau-là. Donc là, maintenant, elle travaille en université. Et elle fait, petite question, t'as eu ton bac, toi, quoi? Oui, j'ai eu mon bac. ES, d'ailleurs. C'est un bac, quoi? Économique et social, ES, non? C'est pas ça? Ancien bac de... Ça s'appelait le bac B, moi, quand j'étais à l'école. Économique et social. D'accord, un bac ES, c'est ce qu'on disait. Voilà, ES. Très bien, allez. J'étais sur une voie de garage, j'étais pas censé avoir mon bac, j'étais pas censé être au lycée, etc. Moi, j'ai connu les classes techniques. Sortant de la cinquième, je suis rentré dans une quatrième technique et une troisième technique où j'avais des types qui avaient 18 ans dans ma classe. J'en avais 13. C'est voilà. Bon, ok. Allez, on va écouter Kader à 3. Ouais, merci Maurice. C'est un sujet très intéressant que tu as abordé, que vous avez abordé avec François. Et moi, j'ai eu affaire à certains jeunes, parce qu'une réflexion de Benjamin à propos de sa sœur qui parlait, qui lui disait que souvent les parents, pour certains, ne connaissaient pas leurs enfants. Je souscris totalement à ça, puisque, enfin, dans le cadre qui est dans le loisir surtout, puisque j'ai exercé dans le football, et je me suis aperçu de la difficulté pour certains parents
d'être des parents, en fait. Mais ça soulève d'autres questions. Parce que le fait de ne pas connaître son enfant, ça veut dire aussi pour certains l'application qu'ils mettent dans l'éducation des enfants. Or, je remarque que pour certains, pour avoir un peu discuté, pour avoir un peu sondé, puisque certains manifestement montraient un visage lors de leur loisir qui était différent de celui qu'ils affichaient devant leurs parents. Ça pose aussi la question des parents, comment ils voient leurs enfants et qu'est-ce qu'ils transfèrent sur leurs enfants. Moi, c'est peut-être un avis un peu tranché, mais le problème des enfants turbulents, c'est pas depuis quelques années, c'est accentué fortement avec des violences, mais à mon époque au collège, j'ai vu des choses qui étaient parfois horribles. J'ai assisté en cinquième, je n'oublierai jamais cette scène-là. Un élève se battre avec le prof de mathématiques. Mon Dieu. Dans le couloir. Oh là là. J'ai vu ça, au cinquième. Oh, parce qu'en plus, la cinquième, c'était malheureusement... Tu vas me faire pleurer, là, je pense. Je vais me mettre à pleurer, je pense. Non, c'était le pauvre. Mon Dieu. Je confirme. Je crois qu'avec Kader, on a le même âge. J'ai vu ça aussi. Ce que je voulais dire, c'est que il y a ce passage, à l'époque, en tout cas pour moi c'était la cinquième, je pense que c'est toujours... Non, maintenant c'est la troisième, parce que maintenant c'est à partir de la troisième qu'ils vont en technique. Donc je me pose des grosses questions. La question c'est que déjà... C'est là où ça s'est cassé en fait. C'est en cinquième, mais déjà en cinquième c'était très dur, très dur. Je ne vais pas raconter d'autres anecdotes, mais il y en a une autre qui me vient en tête, c'est la prof de français qui veut nous... qui veut nous montrer un documentaire, qui a oublié d'aller récupérer la cassette. Sur quoi? Qui a été vidée, une vidéo Benjamin. Ah oui, mais je t'écoute. Ouais, laisse-moi dérouler. Vas-y, j'arrête. Ce qu'on appelait le CDI au centre de documentation, la vidéo en question, pour nous la diffuser sur un écran avec le magnétoscope qui était déjà branché dans la salle de classe. Donc, il lui a fallu à peu près 10 minutes pour faire l'aller-retour. Et pendant ces 10 minutes, il y a un élève qui a donc sorti de son cartable, en cinquième encore, une vidéo porno. Plus cartable. Benjamin. Une vidéo pornographique. La mise dans le magnétoscope et la mise en lecture. Donc on s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait déjà, je pense, un an ou deux ans de plus que nous, qui avait déjà le physique assez, puis là une peau qui était quelqu'un qu'on aurait pu dire un grand adolescent, qui faisait un peu régner la terreur sur certains. Et on s'est retrouvé donc à visionner un truc énorme avec la prof qui arrive ensuite. Il a du mal à retirer la cassette. Enfin bref, des histoires incroyables et vraies. Ce que je veux dire, c'est qu'en cinquième, il y avait ce passage où on faisait un filtre. Avec certains élèves dits turbulents et turbulents d'ailleurs, voire violents, puisque j'ai même... Enfin bref, violents. Mais est-ce que le fait de le mettre dans le technique, ça a arrangé les choses? Pour certains, non. Le fait de... Ça, c'est toi qui dis, Kader. Pour certains, non, j'ai dit. Kader. Je dis cela pourquoi, Benjamin? Parce que j'ai des gens que j'ai vus dans ce parcours qui n'ont pas été plus loin, qui ont fait une année, qui ont transité entre différentes structures et qui à la finale sont sortis sans aucun acquis professionnel, technique. Et qui ont fait un parcours derrière de délinquance. Attends, je termine, Catherine. Attends, il y a Catherine qui voulait essayer de dire quelque chose, non? Tu dis quelque chose à Kader, c'est même à tout le monde. C'est pas que les enfants qui sont violents. Moi, j'ai assisté, j'ai 58 ans et demi, j'ai assisté vraiment à des scènes de violence vis-à-vis des professeurs vis-à-vis des élèves. Vraiment, des coups. Oui, ça aussi, ça existe, Catherine. Oui, c'est vrai. Tableau là, dans la tête des gamins, mon des Dieu. Gants. Là, vous étiez dans quel pays? J'ai jamais vu ça, hein, 14. Moi, j'ai vu un prof de maths en 6e. J'ai vu ça.
fracassé. J'ai vu ça et moi ça m'a choqué, tu vois. Fracasser un élève sur la table, lui écraser. Putain, vous étiez dans quel bahut, quoi? C'est quoi ces endroits? Ah non, non, mais c'est pas l'école. C'est pas l'école. Mon Dieu, je suis content d'avoir échappé à cette école. Non, mais c'est pas. Non, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ah, moi je dis pas que ça n'existe pas, monsieur Kader. Moi je n'ai jamais vu ça. C'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'a pas existé. Moi, je te dis, tu peux te féliciter de ne pas avoir vu ça de tes yeux, mais moi j'ai vu. Ah ouais, moi je suis content d'avoir évité ça. C'est moi qui est allé courir chercher. Tu écoutes Benjamin ou t'as envie juste de dire ce que t'as envie? Moi je te fais pas. Ah non, tu m'écoutes juste. Kader, je n'ai jamais vu ça. Alors tu me dis ça. Dans tous les établissements où je suis allé, je n'ai jamais vu des gens se battre. Donc écoute, ça tu as vécu autre chose que ce que tu as vécu. Je te dis que j'ai vécu ça. En CM2, j'ai vécu un élève se faire fracasser la tête sur le tableau avec un traumatisme crânien parce qu'il n'a pas su faire la division comme c'était demandé. Oh, en sixième, c'était le prof de maths. Le prof de maths qui a éclaté le nez d'un élève parce qu'il utilisait son cahier d'anglais au lieu d'utiliser son cahier de mathématiques pour écrire la leçon. C'est moi qui est allé chercher le principal pour qu'il arrête. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, le prof s'est acharné sur lui. Donc il y a ça. Et je vais revenir au sujet en question des élèves turbulents. Et la question que soulève Maurice est importante. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je pense qu'il y a des gens qui devraient être traités très très jeunes d'une forme de violence. C'est pas normal qu'on arrive à des cas où il y a des gens, comme j'ai décrit ce que j'ai décrit, une bagarre avec un prof ou un principal adjoint qui se fait tabasser devant toute la cour, ou des choses dont je pourrais même encore sortir des autres trucs. Et tu l'as vu, t'as vu des élèves tabasser des profs? Je te raconte. Écoute ce que je te dis. Non, moi, je te raconte pas. C'est pas une fiction. Non, ce n'est pas une fiction. Ne fais pas passer pour ce que je suis pas. Je te fais part de ce que j'ai vécu. J'ai aucun intérêt à sortir un truc pareil. Une question. Non, mais je te réponds. Kader, je te pose une question. Est-ce que tu as vu des profs se faire tabasser? Il te dit qu'il a vu. Il te le dit. Il a vu. Il demande pas 10 000. Il a vu. Je crois que tu as qu'à demander autour de toi, peut-être que tu as eu la chance d'être préservé de ça. Malheureusement, moi j'ai vu ça. Donc je le dis, ça m'a marqué, ça me marque encore. Je pourrais citer le nom de la personne en question, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai vu que un mois dans ma vie en sixième, et je n'oublierai jamais son prénom, Stéphane. Je ne dirai pas son nom. Jamais cette personne-là. Un mois dans ma vie. Mon Dieu. Donc, pour revenir à la question, au sujet en question, concernant les élèves turbulents et la réflexion que tu avais menée à propos des enfants que tes parents ne connaissent pas. C'est pas turbulent, Kader, là. C'est quand même de la turbulence. Il y a des enfants. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Ok. Merci pour tes précisions sémantiques. Ça va ajouter du plus à notre discussion. Je dis donc que le fait d'avoir des enfants qui ont des pathologies, parce que moi j'appelle ça des pathologies, et certains ont des parents manifestement qui ne sont pas des parents. D'où pour certains, je pense qu'il y a un manque éducatif aussi. Et seulement ça, c'est un autre sujet dont on ne parle pas en France. C'est un sujet énorme actuellement en France. Les ASE, c'est-à-dire les aides sociales à l'enfance, sont dépassées par le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un... Dépassé par quoi? C'est pas possible. T'étais sûr que toi t'as eu une scolarité normale, Benjamin? Je sais pas, moi j'ai jamais tapé sur des profs, mais je voulais juste savoir. On est autre chose là, je suis autre chose, Benjamin. Benjamin, je suis autre chose là maintenant. Donc je dis qu'il y a des élèves aujourd'hui qui sont traités avec de la rétanine aujourd'hui, très jeunes. C'est un médicament pour traiter l'hyperactivité. Qui aujourd'hui, tu as des élèves qui vont en cours dès l'âge de 6 ans, 7 ans, qui prennent ce produit parce qu'il y a des symptômes d'hyperactivité. Alors dans l'hyperactivité, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. Et il y a aussi le fait d'être turbulent. Kader, moi je connais très bien parce que je suis traité pour ça. Oui, des troubles du comportement. Mais il y a aussi dedans, malheureusement, des enfants qui sont très perturbés psychologiquement. Exactement, tout à fait. Donc,
La question à propos que tu poses à propos de à François, Maurice, c'est vrai que François, je te poserai la même question, c'est-à-dire, est-ce que vous faites aussi un choix sur les personnes que vous accueillez dans vos classes relais? Ah, c'est Catherine qui a posé cette question. Ah, d'accord, je savais pas, j'ai pris l'émission en cours, mais j'aimerais savoir parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas prétendre à ce format d'école où on donne une seconde chance, on va dire. Comment ça se passe quand l'élève est trop perturbant? Est-ce que il y a autre chose qui est mise en place? Alors, pour te répondre très rapidement, on n'a pas forcément toutes les informations. C'est-à-dire que nous, on récupère, tu vois, le rectorat nous envoie notre liste d'élèves avec ce qu'a mis le collège d'origine. Donc, il y a la date de naissance, un petit bout sur le suivi du gamin. S'il est suivi justement par l'aide sociale à l'enfance ou pas, s'il a un éducateur, etc. Par contre, pour tout ce qui est suivi psychologique, on en sait assez peu. Il y a certains collèges qui nous disent, voilà, il y a un suivi psy qui est mis en place par le CMP, donc voilà. Ah, mais justement, attends, on peut s'arrêter là, François. Est-ce que justement, en tant qu'équipe pédagogique, vous avez donc des enfants qui ont des pathologies psychologiques, est-ce que c'est pas anormal, est-ce qu'il n'est pas anormal en tant qu'équipe pédagogique, de ne pas savoir quels sont les symptômes et les risques que vous encourez à avoir ces élèves-là? C'est pas ça. Oui. Non, mais qui décide de vous envoyer gamin? Qui c'est qui fait le choix des enfants? Qui c'est qui décide? C'est qui décide? Vous les accueillez. Vous n'avez pas votre mot à dire. On vous envoie 8 gamins. OK. Mais qui décide de... Avec une classe avec maximum 8 élèves, tu vois bien que c'est de toute façon pas pour tout le monde. Exactement, Alphée, mais si c'est pas pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est pour ceux qui ont poignardé leur prof ou des trucs comme ça, non? C'est ceux-là qu'on reçoit. Ils ont gagné une médaille. Ouais, ce sont les meilleurs d'entre nous. Maurice, moi, dans la cour du dans la cour de mon collège à Clichy. Donc à Clichy, t'as deux collèges. T'as le collège Renoir qui est pour les noirs gens d'une certaine catégorie, n'est-ce pas, socio-professionnelle. Et pour les emmerdeurs de mon style, c'était plutôt Jean Massé, parce que Jean Massé, c'est voilà. Okay. J'étais le plus blanc de tout le lycée. Probablement. Je ne sais pas. Je t'avouerai, je ne sais pas. Non, mais François, mais alors, comment ça se passe? Oui, pardon, excuse-moi. Comment ça se passe? Parce que moi, si j'étais à ta place, je me poserais quand même cette question-là. Parce que si tu n'as pas le choix, ou tu ne sais pas comment... En gros, un élève a été viré d'un établissement, on le rebalance dans un autre établissement. Une fois qu'il a fait ce parcours-là, des établissements qui ne veulent plus lui dans un secteur, il atterrit chez toi dans une, ce que tu dis, classe relais. Mais combien d'enfants sont balancés d'établissement en établissement pour mauvais comportement? Et qu'en est-il de ceux qui ne pourront pas intégrer la classe relais? Alors, quel est l'âge quelque chose de très pratique. Nous, en fait, on a trois sessions. Il y a une première session qui va de, on va dire, juste avant les vacances de Toussaint jusqu'aux vacances de Noël. Une autre qui va des vacances de Noël jusqu'aux vacances de Pâques. Et la dernière de Pâques jusqu'à la Trinité. Okay. Non, jusqu'au mois de juin. Donc, en général, sur la première session, on a peu d'élèves. Quand je dis peu d'élèves, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 13 dispositifs relais sur Paris. Il va y en avoir moins l'année prochaine parce que il y en a deux qui vont fermer. On avait maximum 9 élèves par dispositif. Sur la première session, en général, on en a 4 ou 5. Parce qu'en général, ce que font les établissements, c'est que sur le premier trimestre, ils essaient au maximum de garder leurs élèves au sein des établissements. D'accord? Après, sur la deuxième session, effectivement, moi, ça a commencé, enfin, j'en ai 8 sur la deuxième session, et là, j'en ai eu 9 sur la troisième. Alors, effectivement, après, nous, on a certaines informations sur les élèves, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact avec les établissements. On prend contact avec les établissements. Merci pour... Pourquoi tu me dis merci sur les élèves? Pourquoi tu me dis merci? Oh, mais tu sais pas. Pardonne-moi, pourquoi tu me dis merci, François? Mais
Je t'ai entendu rigoler. Ah non, je n'ai pas du tout rigolé. C'était pas moi qui ai entendu. Non, c'était pas toi. Pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Et donc voilà. Non, après, le truc, c'est qu'on essaie aussi de travailler avec les collèges d'origine et qui nous donnent en général des informations sur le, bah, sur la situation des élèves. On les rencontre en amont et puis voilà. Et c'est en ça, si tu veux aussi. Tout à l'heure, Maurice, tu me posais la question pour savoir pourquoi, bah, comme par magie, ils arrivent à l'heure sur le dispositif relais. Alors, c'est pas le cas de tous. Je vais pas te dire qu'on y arrive avec tous. Mais c'est vrai qu'on essaie de créer, oui, un climat de confiance et de discussion. Et puis voilà, donc, on n'est pas parfait, hein, et moi le premier. Donc, moi, ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai été CPE pendant 20 ans avant, donc voilà. Est-ce que vous avez un contrat? Ah, je crois qu'il est parti. Oui, ça a coupé, mais il va revenir dans une poignée de minutes, je pense. Ouais, c'est quand même assez complexe tout ça. C'est. Oui, parce que c'est l'éducation quand même des enfants, ceux qui vont être grands plus tard, et faut pas les louper, ces enfants. Ouais, je suis d'accord. Correctement. D'accord. Mais par exemple, regarde, si tu regardes mon collège. Voici ouais, le retour collège, de François, je pense. Il est là à nouveau. Allez-y, ah, ton François, collège. Oui, ça a coupé, désolé. Si tu regardes mon collège, en 6e, on était 180, donc 6 classes de 30. En 3e, on n'était plus que 2 classes normales et 1 classe technique. Mm-hmm. Donc on est que 90. Ouais. Il y a de la fuite. La classe technique, c'est la classe normale, mais. Technique. Ah, ouais, il y avait un truc qui s'appelait. T'as du enfin, moi, c'est du temps du collège, il y avait un truc qui s'appelait CPPN. Ah, oui, moi aussi, ouais, j'avais ça. Même. C'était les 5e CPPN. Voilà, CPPN. Ouais. Et je crois que c'était. Enfin, pour avoir vu. Parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu en marge dans le collège. Ça. Et qu'ils étaient un peu. Et je sentais qu'il y avait parmi eux des durs, des vrais durs. Mais est-ce bah que... ouais. Bah ouais. Les enfants en échec. Qui avaient des grosses difficultés. Et il y en a trois. L'acquisition de connaissances. Mais est-ce que ça existe encore ce système-là? Genre. Alors maintenant, c'est des secteurs. Mais les CPPN, moi je me souviens, c'était ceux qui étaient un peu. Rebut, tu vois, c'était les CPPN, nous on était pas pareil qu'eux, et c'est dégueulasse. Et mais bah parce ouais, que... bah bien sûr, bah oui. Le problème c'est. Ceux qui font l'ICERSO et ceux qui en font pas. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est pas une question de CERSO. Moi j'ai beaucoup de chance, je suis très bonne à l'école, très bonne en gym, très bonne partout, mais le problème c'est que je savais pas pourquoi, tu vois. Et moi, j'étais toujours copine avec les cancres et les rebuts, ceux qu'on rejetait. T'as bien raison. Le système qui a été mis en place, ça s'appelle les internats d'excellence du côté en Seine-et-Marne, entre Provins et Nogent-sur-Seine, dans l'ancienne caserne militaire de Sourdin. Ils ont mis donc réaménagé cette caserne. Ils en ont fait un internat d'excellence où viennent des gens de région parisienne, des grosses difficultés. Et là, c'est vraiment une, disons que c'est une discipline un peu militaire. Dure, ouais. Non, pas dure. C'est où? À Sourdin, dans un village qui s'appelle Sourdin. Ils ont là-bas. Bah, si j'en parle, c'est que je connais. Sinon, j'en parle pas, Benjamin. Ah oui, quoi. Oui, il y en a plusieurs sur la région parisienne, hein, effectivement. Okay. Ouais. Donc, quand la question de Maurice qui posait comment vous faites pour que les élèves du jour au lendemain arrivent à l'heure, est-ce que vous appliquez une discipline? Est-ce qu'il y a un contrat disciplinaire? Est-ce que toi, Kader, tu es arrivé à l'heure? Est-ce que tu peux laisser François répondre à ma question, Benjamin? Oh là là, j'ai le droit de rien dire. Faut me casser. Hein. À chaque fois, c'est... En fait, nous, si tu veux. Comme on fait partie, on est intégré dans un collège déjà, donc ils doivent suivre le règlement intérieur de l'établissement scolaire. Ah, il y a un règlement intérieur quand même. Ils l'ont pas respecté. Il y a un règlement intérieur alors. Ça c'est bien. Oui, bien sûr.
quelque part. Bah oui, quand même. C'est leur dernière chance. Il faut qu'ils obéissent. Je sais que tu es anarchiste, Maurice, mais quand même, il y a un règlement. Est-ce qu'il est différent des autres? Ah non, non, pas du tout. Non, 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 non. Ah, y a pas non, non, c'est le même. Dans la mesure, si tu veux, où ils arrivent dans le collège, dans un autre établissement, voilà, qui n'est pas leur collège d'origine, ils doivent s'adapter au règlement intérieur du collège où ils arrivent. Ah, mais donc, là, tu moi, c'est, une classe, fait... c'est une classe relais. J'imaginais que le règlement intérieur, il allait être renforcé. Alors, bah, déjà, je t'assure que s'ils tiennent sur le règlement intérieur du collège, le but, c'est pas de les sanctionner. C'est au contraire d'essayer de les porter un peu. Tu vois ce que je veux dire? Pas de sanction. Renforcer, c'est pas forcément sanctionner. Pour les chouchouter, pour que, alors qu'il y en a d'autres qui respectent, alors là, je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais ça veut dire que. Je suis pas d'accord. Les branleurs, ceux qui foutent la merde, on va leur dire, bon, d'accord, tu mets à l'heure, ou au moins à écart, au lieu de 8 heures. Ça veut dire qu'on les chouchoute, quoi. Non! Je suis pas d'accord, moi, avec ça. Ils font de la merde, ils font de la merde. Ils doivent respecter. C'est pas, on va pas leur adapter un truc au qu'on les aide. Il est, d'accord. Il est pas question. Alors, excuse-moi. Il est pas question d'adapter. Il est pas question d'adapter. Mais quand t'as un élève, par exemple, qui a été absent pendant, qui a eu, je sais pas, je vais te dire une connerie, mais 40 demi-journées d'absence sur le deuxième trimestre. Et qu'il arrive à être là, présent, même s'il a 5 minutes de retard. Comment il arrive? Tu vois ce que je veux dire? Non. Le but, c'est déjà de le... Il faut être à l'heure, mais François. Oui, non, mais... Ce que tu fais... Alors, attends, après... Sinon, tu sais pas. Il faut être à l'heure, mais après... La problématique de chaque gamin, tu peux pas non plus dire... Bah non, il n'y a pas de problématique. Voilà, moi, j'en ai un ou deux... Il y en a un qui a perdu son père, par exemple. Il y en a un qui a perdu son père. Voilà, je vais vous le dire. Il a perdu son père au deuxième trimestre. Il est devenu absentéiste dans son collège. Oui, non, mais c'est pas le problème. C'est ah ben si. Quand on te demande d'être à l'heure, t'as un rendez-vous, t'es à l'heure, c'est tout. Non? Parce qu'après, il faut, il faut apprendre. Non, attends, Katoche, parce que j'ai un truc avec François, là. On te demande quelles sont les règles, tu es à l'heure. Si t'es pas à l'heure, bah voilà, t'es baisé. Non? Eh oui, mais non, le but c'est pas. J'ai tort. Non? C'est le but c'est quand même de les amener à changer à ces enfants qui sont problématiques. Non, mais Katoche. D'accord. Oui. Katoche. Mais François, vous, tes élèves, ils ont. C'est quoi la tranche d'âge? Tout le monde. T'es 5e à 3e. Donc entre 12 et 13 ans. Est-ce que vous avez un retour d'après leur passage en classe relais? Est-ce que le passage par la classe relais fournit des résultats positifs? Alors, pour tout avouer, on va dire qu'il y en a un sur deux pour qui ça marche. Ok. Donc ça veut dire qu'on a mis en place toute une structure, François, avec ce que tu nous décris. Mais qu'en réalité, quand tu as une classe de 10, tu n'as que 5 qui vont, on va dire, arriver à accrocher une filière technique, oui. Apprendre quelque chose. Non, mais moi, j'essaie. Oui, non, mais oui. Mais c'est une réalité, oui. Et comment c'est possible? Mais ils seraient restés dans leur collège d'origine. Après, ils seraient restés dans leur collège d'origine, ça aurait été pire. Ils auraient été exclus. Moi, j'ai eu des élèves qui étaient poignés exclus. Donc en gros, attends François, ce que je comprends, c'est que sur un sur deux a passé les années, en fait, juste pour être présent, puis après, passe à ton voisin. Mais ça, il dit plus rien, François. Mais les 5 qui restent à la traîne, ils font quoi après? J'ai pas dit que François était mis en cause, je dis juste que cette classe relais... Non, mais c'est une réalité, là. Moi, non, Kader. Ça va, je me sens pas mal, là. Je dis juste qu'en fait, si c'est que pour avoir la moitié des résultats positifs derrière, c'est-à-dire que c'est quand même un échec, puisque concrètement, tu as 50% de la population qui suit les classes relais qui va se retrouver avec rien, en fait. Eh oui. Mais non, donc, le budget qui a été donné pour faire ça, tort, 50% de ce budget n'a servi à rien. Alors, attends, je vais juste quand même vous dire un truc. Il y a
4 ans, on avait 360 heures pour payer les casseroles. D'accord, 360 heures qui nous permettaient de payer des profs. C'est énorme. Et des gens qui intervenaient. Imagine, t'es dans une école publique. Putain, tu gères. Tu me laisses finir. Ouais. Alors, tu me laisses juste finir. Ouais. Cette année, donc ça représentait ce qu'on appelle 10 heures supplémentaires, 10 HSA. Cette année, on n'en a plus qu'une. Et l'année prochaine, il y a deux dispositifs reliés qui vont fermer. C'est-à-dire que tous les dispositifs d'aide pour les élèves en difficulté sont en train de fermer. Pourquoi ? Pour donc, c'est quoi la raison ? Dans des établissements. C'est quoi des élèves ? Non, on en reparlera après ça, de ça, Benjamin. La raison, elle est toute simple. C'est un problème de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, un problème de moyens ? C'est-à-dire que sur l'Académie de Paris, ils ont dit que on n'avait plus d'argent pour mettre pour les élèves en difficulté, parce que l'Académie de Paris avait fait des conneries par rapport au fric, etc. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas dans les petits papiers du rectorat. Loin de là. On a décidé de sucrer ce budget, de sucrer cette dépense. Toi, tu la sens comment, cette histoire, toi ? Qu'est-ce que tu te dis ? Moi, je la sens pas bien parce que mon poste va fermer. Et qu'est-ce que tu vas... j'imagine que t'es fonctionnaire, donc qu'est-ce que tu vas aller à Malakoff ? Moi, à la base, j'étais CPE. J'étais conseiller principal d'éducation. Donc, je vais redevenir CPE. Parce que c'était un choix que j'avais fait d'être coordonnateur de classe relais. Donc, je vais redevenir CPE. Bon, Et pourquoi as-tu choisi de faire ça, là, de faire ce boulot ? Ben parce qu'en tant que CPE, j'étais déjà, je travaillais déjà énormément avec les élèves les plus abîmés, quoi. Donc combien de temps dans le système de relais là ? T'es resté combien de temps ? J'ai fait 10 ans. Alors quel est ton bilan personnel ? Mon bilan personnel, c'est que. Les premières années ont été les plus belles parce qu'effectivement je pouvais créer des projets, travailler avec des profs qui étaient aussi impliqués, parce que justement je sais plus qui a parlé d'EREA tout à l'heure, moi j'étais dans un EREA qui était dans le 15e arrondissement, qui faisait de la cuisine et de la restauration, donc on travaillait aussi avec justement des profs de cuisine et resto qui étaient pas des profs tu vois, qui avaient le CAPES etc, mais c'était des professionnels, et ça permettait aussi aux gamins d'avoir déjà une perspective sur leur projet éventuel futur. Et moi, ce que j'appréciais, c'était de travailler justement à la fois sur des connaissances générales de l'histoire, du français, des maths, etc. Et aussi qui se suivit cette projection sur quelque chose de plus professionnalisant. Et surtout sur de la cuisine et la restauration, qui était vachement bien pour eux, quoi. J'ai l'impression que c'est un échec, votre mission là. Non, c'est pas un échec. Pour moi, moi j'ai presque 50 berges. On va pas faire de la. Je suis pas chez le psy, je vais pas faire de la psychologie de bazar. François, tu te rends compte que tu dis n'importe quoi. Et non. Je sais pas, mais merci. Tu parles de tes classes relais. Est-ce que tu as l'impression que c'est une réussite ou un échec ? Est-ce que ça peut fonctionner ou pas ? C'est ça que je te demande. C'est pas si toi, t'es confortable. Excuse-moi. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Et ça a fonctionné. Après, c'est toujours pareil. Oui, effectivement, pour des gens qui sont plus en difficulté, ben oui, il faut plus de moyens. Clairement. Moi, tu vois, François, je miserais même pas une pièce sur toi. Oh, mais c'est sympa! T'as un enfoiré! Non, mais moi je suis pas un sympa! C'est... Je te le dis! Mais François! N'importe quoi! J'ai vu des reportages, des documentaires. Attends, excuse-moi, Kader! Laisse-moi, wesh! Laisse-moi un peu. Non? Dans le secondaire, où. Alors c'était différent par contre. Le mec était journaliste qui se fait passer pour un prof de maths parce qu'il a fait une licence de maths, mais ça faisait des années qu'il n'avait pas touché aux maths. Et en deux jours, il s'est trouvé face à une classe de 30 élèves. Et comment l'éducation nationale, qu'est-ce qui se passe dedans ? Parce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu entendre, parce que je connais quelques enseignants, qu'il y a une course à
récupérer, enfin, à recruter du monde. À l'échalote. À l'échalote. À recruter. Est-ce que c'est pas si ça qui est derrière l'échec, les échecs que tu reçois dans ta classe, c'est-à-dire, c'est toi t'es pas prof, tu viens de le dire, mais on t'a mis en face d'élèves. Oui, alors après, bon, j'ai quand même eu le concours de CTE. Là, on t'entend plus, François. Là, je sais pas, t'es aux toilettes, non ça. Non, je vais juste bouger. Là, c'est bon. Non. Alors, moi, j'ai quand même eu le concours de CTE, qui est un des concours les plus difficiles. Voilà, ça équivaut à un niveau CAPES. Après, moi, je travaille avec des profs de maths, avec des profs d'histoire. Voilà, moi, j'ai vraiment mon boulot, c'était coordonnateur en fait. Donc j'ai essayé de coordonner cette classe, de proposer un emploi du temps, de travailler avec les gamins, etc. Après, voilà, moi je vais redevenir CPE, mais là où je suis... François a travaillé avec des gamins. Ben heureusement, j'ai eu un concours de CPE quand même. Ouais, mais il y a une pédagogie. Tu l'as eu au bout de combien de temps J'ai eu dès la première année, excusez-moi. Voilà. Un CPE, au bout de la première année. Mais CPE, est-ce que ça fait toi un professeur La vache. Mais non, CPE, c'est un conseiller principal d'éducation. Oui. C'était le... Comment on appelait ça avant c'est le... Non, c'est le chef des pions. C'est le chef des pions. C'est le... Comment on appelait ça avant le... Merde. Ah, j'ai oublié le nom. Il y a très longtemps, on appelait ça le surveillant général. Voilà, le surveillant général. Voilà. Moi, quand j'étais au collège, c'était le surveillant général. Ah oui, d'accord. Ok, mais il y a longtemps. Le surgé. C'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais à l'école, moi, le surgé. Toi, tu es encore puni, va regarder la télé. Mais ça, c'est quand même inquiétant de dire qu'un surveillant même général se retrouve donc professeur. C'est pas le même métier. Ils ont besoin de surveillant général, c'est un flic. Ils ont besoin d'être avec le flic un peu. On les envoie cette semaine avec le flic qui leur apprend un peu la vie. Parce qu'il nous dit pas tout, le François. Mais il y va avec sa matraque. Il y a 50% qui marchent droit en partant. Les autres, ils sont à l'hôpital. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Je vous en prie. Maurice, je voulais juste poser une petite question à François. Ah, c'est pas moi qui faut le dire, c'est à François. Surveillant général. Mais oui, il vient de le dire, mais ça va pas bien, oui, Benjamin. Surveillant général, c'est, tu vois, c'est en face, c'est portail, c'est le carnet de correspondance, enfin, tu vois, c'est. Tu sais ce que c'est qu'un surveillant général, Benjamin. Kader, commence pas. Ma question, c'est pour François. Ah. Est-ce que tu as été surveillant d'un comment dirais-je centre pénitentiaire Est-ce que tu as été maton J'ai pas travaillé après. Il m'a doublé. Il a doublé. Et ouais. Non, et François, est-ce que tu as été surveillant, tu vois, devant un portail, à regarder, à vérifier les entrées Bien sûr, les élèves. En tant que CPE, alors ça s'appelait... Ça a changé depuis 82 quand même, 1982. Et ouais. On est devenu... Le statut de surveillant général est devenu conseiller principal d'éducation, d'abord conseiller d'éducation et ensuite conseiller principal d'éducation, en 82. Donc moi, quand je l'ai pas dit, c'était en 2001. Parce que moi, je suis de 79. Moi, je suis né en 79. Quand j'étais au collège, c'était le surveillant général. C'était encore le surveillant général pour toi? C'était le surveillant général, Oui. Il fallait pas le faire chier. Écoute-moi, Mont-de-Marsan, j'avais un CPE ou une CPE. Excuse-moi. Non, mais vas-y. Moi, j'ai habité à l'étranger, là, je peux dire, c'était hyper rude, mais c'était limite, c'était des GI, tu vois, à l'entrée de l'école et tout. Tu sais,
qui a été traumatisée. Ah non, elle n'a pas le droit d'arriver ça. Ah ben, bien sûr, Katoche, bien sûr. Non, mais ma question, attends, je finis ma question pour François. Et moi, j'avais pas le droit d'avoir une minute de retard. Voilà. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il était dans un goulag en Russie, Benjamin, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais je conçois ce que tu dis, mais moi, c'est vrai que, pour le coup, je suis plus vieux que toi, je suis de 75, et moi, quand je suis arrivé au collège, on avait déjà une conseillère d'éducation. C'était pas une surveillante générale. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même en pédagogie une façon d'aborder les choses. Alors, effectivement, elle vérifiait les carnets, elle était là à l'entrée, mais elle n'est pas là pour nous fliquer moi, je comme une... surveillant, hein, François. Vous êtes des branleurs. Non, mais pendant que vous pédalez dans la mousse, un petit message de Sarah. Elle a 52. Elle est à Paris. Une des compétences du professeur parmi les 19 est de donner à tous les élèves les moyens d'accéder à la connaissance. Cependant, pas toujours évident lorsqu'on a des cas très difficiles. Les classes relais, je pense en effet, c'est un échec car le système scolaire n'a pas réussi à les intégrer. On pourrait mettre tout sur le dos des profs, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des surhumains. Ce sera ma conclusion à moi. Il est tard ce soir, j'ai eu follement envie d'appeler car c'est une question qui m'intéresse. J'essaierai peut-être demain. Je t'embrasse, dit-elle. Allez, on va écouter encore un peu Alphée à Santiago du Chili qu'on n'entend plus. Et puis Catherine Arcachon et après on se casse. Allez-y, Alphée. Ouais, je parlerai de rugby la prochaine fois, hein, parce que. Oui. Alphée, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Avec le président du Chili. Oh, oui. Ah oui, je parlais. Manger des cacahuètes en discutant politique générale. Allez-y, Alphée. Construction européenne. Non, le rugby m'a aidé beaucoup, déjà parce que je non, mais ne prends pas un mot au hasard. Ne prends pas un mot au hasard. Il a dit qu'il parlera rugby la prochaine fois. Mais c'est à toi la main. La prochaine fois, je parlerai de rugby. S'il avait dit sucre. Mon collègue, c'était plutôt ce que racontait Kader. Non, mais vas-y, dis ce que tu veux. Donc, bon, après, ils l'ont refait, ils ont réformé les choses, ils ont vu que ça marchait pas comme ça devait marcher, et voilà. Mais sur les 200 enfants qui sont rentrés en sixième dans ce collège, il y en a moins de la moitié qui sont arrivés au lycée, et encore moins qui ont ensuite eu leur bac et fait des études supérieures. De tous les gamins que j'ai connus, il y en a eu 3 ou 4 qui ont fini à l'université. Donc sur 200, c'est vachement élitiste quand même comme système. Et pourtant on était des, non, pas tellement, enfin, des cas sociaux. Pas tellement. C'est, ben non. Après, faut savoir ben quel c'est quoi réussir aussi, hein. Donc, ici, le système est différent, ça empêche pas les enfants qui ont des problèmes, mais je crois que ça les accompagne un peu plus. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas la même capacité. Ça les accompagne vers quoi? Ça les accompagne vers quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Bah, au moins jusqu'à la fin de leur étude, de leur lycée. Ouais. Ici, 100% des enfants sont passés par la classe de terminale. Non, mais déjà, fait le collège. Il faut faire le collège. Le collège, c'est des trucs de fou. Enfin, les gens viennent ceux qui sont capables de faire. Les orientés, tout le monde n'est pas doué pour les mathématiques, tout le monde n'est pas doué pour le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, la philo. Je suis pas doué pour les mathématiques. Il y en a qui sont doués pour la technologie, les sciences, le machin, le bois, le truc. Si
on orientait. Si on orientait les enfants vers des choses qu'ils sont capables de faire, peut-être qu'il y aurait moins d'échecs scolaires et plus de réussite et plus de, d'épanouissement de, des enfants et des futurs adultes. C'est tout ce que je suis. Un enfant, Catherine, à 10 ans, 12 ans, est-ce qu'elle a vraiment conscience de ce qu'il a envie de faire? Il n'a pas conscience, et c'est justement aux enseignants de se dire, ce gamin, il est très doué pour faire des objets en bois, machin, des trucs tridimensionnels, des trucs comme ça. En revanche, il comprend pas les subtilités de la littérature. Bon, alors voilà, est-ce que ça peut l'empêcher de faire des études supérieures dans un métier, dans l'ingénierie, dans... À 25 ans, la grosse erreur, je pense, qui a été faite pendant les années qui nous a été rabâchée, et Maurice peut témoigner, et vous pouvez témoigner, c'était le slogan 80% des jeunes devront avoir le bac. Maintenant on est à 98%. Allez, laissez parler Alphée. Allez-y, Alphée, envoyez la sauce. Ce 80% des gamins qui ont le bac, c'est 80% des gamins qui sont arrivés en terminale. Mais si tu as 80% des enfants qui rentrent en 6e, qui finissent en BEP, en CAP, parce qu'on dit, ah oui, il sait pas écrire, BEP, ah, il sait pas écrire, CAP. Combien j'ai vu, moi, de camarades de classe qui comprenaient pas. On leur disait, tu vas aller faire de l'électricité. C'est quoi, ça? Je sais pas, moi. Mais tu vois, du bachelier qui travaille au frigo. Moi, Maurice, il m'a dit que je savais pas parler, hein. J'ai pas eu mon bac. Mais non, mais c'est pas parce que t'as le bac que tu vas faire des études. Tu peux avoir le bac, tu finis. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ça le paradoxe du système français. C'est qu'on nous dit 80% des enfants vont avoir le bac. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est 80% des gens qui arrivent au bac. Tu vois, tout le monde n'arrive pas au bac. Il y a des filtres en 5e, un filtre en 3e, en seconde, si tu redoubles la seconde, on te sort aussi, on te réoriente. Parce qu'en plus, la majorité des lycées sont des lycées techniques. Donc c'est super facile de prendre un gamin qui performe pas en seconde et lui dire, allez, va faire de la plasturgie. Allez, dégage. Mais je suis pas nul non plus, Alphée. Attends, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. T'as l'impression que ceux qui font des métiers techniques, c'est avilissant. Ouais, voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Kader, est-ce que tu as eu ton bac? J'ai eu mon bac, oui. Moi aussi. Très bien. Bon, je te respecte. Tu veux n'importe quoi. Tu peux aussi respecter les gens qui n'ont pas eu le bac, Benjamin. Bon, mais ça, tu le feras avant l'apéro, peut-être, Benjamin. Oui, avant l'apéro, vaut mieux que tu respectes tout le monde. Est-ce normal que l'ambassade française au Chili n'ait pas le PC pour pouvoir renouveler mes papiers? Je dois envoyer tout à Nantes, ça fait chier. Voilà. Écoute, ça c'est encore un autre problème. On va se casser, on va écouter un peu Catherine à Arcachon, et ensuite on se casse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu voulais dire, François? Je voulais juste te remercier d'avoir pu parler pendant 2 heures des classes relais, parce que je crois que jamais. Ouais, mais tu nous diras ça à la conclusion tout à l'heure, François. On va écouter Catherine à Arcachon. Et après, on se casse, tu feras ta conclusion et tu nous diras tout ça. Allez-y, Catherine. Je fais une conclusion ou c'est... Pas encore la conclusion, c'est à toi de parler. Alors, je vais dire, du coup, maintenant, j'avais plein de choses à dire, mais c'est pas parce qu'on a 80% ou quelques de réussite au bac que les élèves sont bacheliers. Ça veut rien dire, ça. C'est parce que les élèves n'ont pas... ils ne redoublent plus, même s'ils sont incultes, ils savent pas lire, pas écrire, ils passent dans les classes supérieures, et après ils font quoi? Rien.
ils ne font rien. Ça devient rien. Alors, il vaut mieux, s'ils ont d'autres capacités, les déceler et les orienter dans d'autres filières. Et c'est pas parce que tu fais des trucs techniques ou artistiques ou machin que c'est nul, quoi. Parce qu'avoir un bac, à quoi ça sert si t'as pas les connaissances derrière et si t'as pas l'envie de t'en servir après pour accéder à d'autres niveaux d'études. Donc le bac, franchement, c'est rien. C'est juste une étape et encore même plus maintenant. Donc moi on m'a dit faut que c'est ton bac, bon d'accord, j'aurai mon bac. À quoi ça me sert? Rien, j'ai eu, voilà, très bien. Tout le monde de ma famille était contente et c'est tout. Mais peut-être que j'aurais préféré, moi, qu'on me dise un premier sport études de danse, et voilà, et tu fais que de la danse, ou beaucoup plus de danse, et voilà, et de la gym et de la danse. Mais non, fallait que j'ai mon bac, j'ai passé mon bac, langue philo, trois langues philo. Super, ça me sert à quoi? Chanter des chansons en allemand et en espagnol. Mais sinon, moi j'aurais aimé qu'on m'oriente vraiment dans ce que j'aimais vraiment, la danse. Et non, fallait que j'ai mon bac, et j'ai eu leur putain de bac. Et voilà, et maintenant j'ai des entorses. Bon, peut-être qu'il valait mieux que j'ai mon bac, ça me permet de savoir au moins articuler et écrire sans faute. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que aussi, par rapport aux enfants, qu'on dit, bon, non, c'est un autre sujet un peu trop lourd, mais les enfants hyperactifs, il y en a, et puis des branleurs aussi, il y en a. Il faut faire la part des choses. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des enfants qui ont des pathologies, et il y en a, c'est juste des branleurs, des qui veulent foutre la merde. Faut pas mettre... Oui, enfin bon, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ceux qui n'ont pas de pathologie et qui sont pas des branleurs, est-ce qu'ils doivent se supporter tous ceux qui ont des pathologies et qui sont des branleurs? Enfin, tu vois, il y a pas de raison. Ceux qui travaillent bien à l'école, qui sont sérieux, qui ont des capacités, eh bien, on va pas les pénaliser parce que il y a des casse bonbons à côté, qui soient hyperactifs ou qui soient branleurs. Donc ceux qui ont des capacités, qui sont studieux, qui veulent travailler, eh bien, je voulais les laisser être des bons élèves, quoi. Eh oui. Ben oui. Katoche, c'est très bien ce que. Mais rassure-toi, moi j'ai redoublé. Hein. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi j'ai redoublé parce que je suis renvoyé de l'internat. Mais sinon j'étais toujours convaincue de ma classe. Et j'étais studieuse par goût. J'aimais l'école, voilà. J'aimais l'école. De la chance, hein. Ouais, j'adorais apprendre, j'adorais ça. Oh là là. Attends. Ouais, moi j'ai bien aimé l'école, l'enseignement, tout ça, j'ai bien aimé. C'était période que j'ai trouvé sympa, moi. Non, j'aimais bien, j'avais plein de copains, tout ça, des copines. Hein. Ça m'aidait bien. Je suis avec des bonnes notes, des bons points, des trucs. Voilà. Mais sinon, Maurice, j'ai pas retrouvé mes radios là, de mes poignets. Tu les retrouveras et tu me les enverras, n'oublie pas. J'ai demandé un compte rendu de mes fractures, là. Ouais, envoie-moi les radios. Les radios, je ne veux pas, c'est que celles des épaules. Mais tu vas les trouver, les radios. Ouais, j'ai tout mis par terre. Comme ça, si jamais un jour il t'arrive un truc, on saura que ton dossier médical est à Maurice Radio Libre, à Catherine. C'est. Allez, on se casse. Allez, Catherine, tu nous fais une petite conclue, comme t'as la main, là, hop, une petite conclue. Je vais faire une conclue. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, alors, merci encore une fois, je me répète, mais pour le son, rock'n'roll, vive Maurice, vive Maurice la nuit, vive les auditeurs. Et t'as vu, je fais ma propagande, là, parce que j'ai envie qu'on vote pour moi. Votez pour moi, ou alors pour Maurice. Voilà. Merci. Bonne nuit. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de François à Paris. Donc, c'est là maintenant que tu peux faire ton truc, là. Envoyer la sauce. Ouais, je vais être très court. Non, mais merci. Merci, Maurice, pour le partage, pour la discussion animée, les échanges. Moi, ce qui me plaît, c'est de pas toujours être d'accord. Et c'est ça qui est bien. Et parler 2 heures de classe relais.
putain, j'ai mal à la tête, mais c'était bon. Et puis, évidemment, vive le rock'n'roll, et on est là. Et c'est aussi ça que j'essaie d'aborder avec les gamins de Casserolet. J'essaie de leur faire écouter un peu de rock'n'roll. C'est pas toujours facile. Je vous embrasse. Rock'n'roll, et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. En fait, on est proche des 4 heures hein, plutôt que des 2 heures. Pour ta gouverne. C'est parce que ça a été très long. Bon, on a démarré à 21h et il est presque 1h du matin. On va écouter la conclusion de Benjamin à Muguet. Oui, merci pour votre accueil. Et puis, bonne nuit. Et à bientôt. Alors, Kendra, les bonnes nuits à toi. Couche-toi dans le bon sens, dans le lit. Et reviens quand tu veux. D'accord. Et la conclusion d'Alphée à Santiago du Chili. On a eu une très bonne conversation, je trouve. Vous ne faites pas pratiquer mon français, donc ça va. J'espère pas avoir trop d'accent. Et sinon, Alicia dit bonne nuit, mais elle est déjà en cours en fait. Elle donne un cours là tout de suite, un cours par internet, comment on dit? Un cours à distance, c'est ça? Oui, un cours à distance. C'est ça. Voilà. Donc, rock'n'roll et bonne nuit. Rock'n'roll, bonne fin de journée. Et quelle heure il est à Santiago du Chili, là? Il est 18h47. Et ouais, donc, bonne fin de journée. Merci d'être venu et embrasse Alicia. Et reviens quand tu veux. Et comme on est en hiver, il fait déjà nuit. Et ouais, bien fait pour vous. On remarque que nous aussi, on est en hiver, mais à 1h du matin, il fait nuit aussi. Rock'n'roll, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Kader à 3. Merci Maurice. Pour quelqu'un qui disait lors d'une émission ne pas aimer les gens, je trouve que tu passes du temps avec eux. Je me suis délecté d'un passage télévisuel de Monsieur Maurice tout à l'heure. Et pour terminer, conclure sur ce sujet, ou du moins lors une partie de cette conversation, à mon sens, je trouve que la société mériterait d'avoir ses classes un peu, revoir un peu la méthode d'enseignement, peut-être faire des classes à l'image des classes de village avec différents niveaux, différents âges, pour que la transmission de savoir se fasse entre le professeur, les élèves et les autres qui sont derrière, c'est-à-dire ceux qui sont plus moins âgés, et que certains participent à l'acquisition de connaissances. Je trouve que je pense que ça pourrait être un système qui permettrait aux élèves d'apprendre, de retransmettre ce qu'ils ont appris à d'autres, et en même temps de créer quelque chose qui ressemble à une société. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Rock'n'roll, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre et je te laisse avec une petite musiquette, comme à l'habitude, qui va te permettre de réfléchir à ta suite où que tu sois sur la planète. Et demain soir, 21h pile, je serai là pour la dernière de la semaine. Et toi? T'en veux encore? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.